Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ma chaîne Alien Scrub Circle Scruffing Channel est habituellement consacrée aux intrusions extraterrestres malveillantes. Cependant, j'avais envie de me détendre un peu avec vous, votre complicité bienveillante, et vous proposer une recette de cuisine dont j'ai eu l'inspiration il y a peu, en m'intéressant à cette triste affaire Alexandre Benalla Vincent Crase qui secoue actuellement le palais de l'Élysée, le Parlement et les médias, et puis on peut dire la société française et pourquoi pas à l'international, puisqu'il semble que cette affaire intéresse beaucoup de personnes à l'étranger. Alors je dois dire que je suis très triste et très fatigué de toutes ces violences dans la société. Et il me semble, en ayant vu la fameuse vidéo, que les CRS aussi ont été trop durs. Je ne veux pas m'en prendre à leur professionnalisme. J'ai bien conscience qu'ils ont eu à faire face ce jour-là à de très vives tensions et de grands dangers. Mais dans la situation qui est l'objet de toutes les attentions, celle de l'interpellation de ce couple, cette jeune femme et ce jeune homme, dont j'ai entendu l'avocat aujourd'hui sur France Info, j'ai personnellement eu l'impression que les CRS ne sont pas, comment dire, n'ont pas eu de retenue suffisante quant à l'usage de la force pour arrêter ces personnes. Et suite à quoi, M. Benalla, Alexandre Benalla, donc proche d'Emmanuel Macron à l'Élysée, s'en est pris d'une manière indigne. La justice va suivre son cours et nous saurons ce qu'elle aura décidé. Je souhaite dire que, personnellement, je réagis un peu comme vous, parfois, en privé, un peu comme un enfant en faisant des blagues. Nous avons besoin de nous détendre. Et je pense qu'il manque dans notre société la capacité à se détendre. Je pense que nous dramatisons énormément et nous avons raison de nous mettre en colère, nous avons raison d'avoir peur, nous avons raison de réclamer la justice, des explications, etc. Mais je pense que nous sommes trop tendus parce que nous ne sommes pas assez proches de la nature dont le fond, je le rappelle, est un fond aimant et joyeux. Alors, la France a une qualité reconnue dans le monde, c'est la cuisine. Donc j'ai inventé une recette de cuisine qui va peut-être aider les uns les autres à tout à la fois se détendre et puis plaisanter quand même de façon un peu piquante au sujet de certaines personnes dont nous nous plaignons dans cette affaire. Alors j'ai inventé le ban à la crème. Voici comment s'écrit le ban à la crème. Alors j'ai écrit tout cela de façon très modeste, très simple. Je n'ai pas les moyens des chaînes de service public ou de certains youtubeurs. Pour moi, c'est les idées que je vous communique qui sont essentielles. Donc le ban à la crème en hommage aux deux victimes d'Alexandre Benalla et à voir, à préciser également, éventuellement, de Vincent Crase, si elles s'en plaignent. Il m'a semblé reconnaître cette personne, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est, donc la justice va nous dire. Un ban à la crème est composé d'un fond de crème de marron sucrée. Je vous invite à vous rendre dans un magasin de l'agriculture biologique pour trouver tous les produits qui vous permettront de confectionner ce ban à la crème. Alors, un fond de crème de marron que vous pourrez également confectionner vous-même. Alors, des marrons, ben, on les espère doux, même quand on les achète durs, et on espère que ce n'est pas la police qui vous les donne. Mais elle a le droit de se défendre aussi, je le reconnais bien volontiers. Sans excès, Monsieur Benalla et Monsieur Crase. Alors, ici, on a des rondelles de bananes par-dessus la purée de marron.
De banane pas trop mûre, fruitée, juste à point, dirais-je. Et puis, on recouvre cet ensemble de crème chantilly légèrement vanillée, donc avec des grains de véritable vanille. Et enfin, on recouvre l'ensemble d'un macaron au chocolat. Voilà, alors, je n'ai pas essayé cette recette. Personnellement, elle m'inspire vraiment beaucoup. On le place au frais et on le sert au moment du dessert, du goûter, ou pour peut-être regarder une manifestation. Mais s'il vous plaît, ne lancez pas d'objets au CRS. Contentez-vous de filmer. Et j'espère que tout se passera mieux. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, j'espère que cette recette vous intéressera et peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, on pourra commander dans une brasserie parisienne un ban à la crème. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente cuisine.